Les courants du détroit de Gibraltar ne pardonnent pas. Les femmes victimes de violences conjugales qui hésitent souvent à se confier. Des dizaines de grandes villes du monde menacent d'être noyées. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. Salut, moi c'est Luna. Et moi, c'est Romain. Bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission de So Good Radio qui vous raconte l'actu pour se lever du bon pied, même par temps de pluie. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. Est-ce que la salive pourrait permettre de détecter l'endométriose, cette maladie gynécologique qui touche une personne sur 10? La Haute Autorité de Santé a rendu un avis en début de semaine sur l'endotest, un test salivaire qui permettrait de déceler l'endométriose. L'endométriose, c'est quand l'endomètre, ce tissu présent dans l'utérus qui se désagrège lors des règles, se développe cette fois à l'extérieur de l'utérus, ce qui provoque d'extrêmes douleurs. La réponse de l'Institut était très très attendue, elle a expliqué poursuivre des études complémentaires, mais à parler d'un test prometteur, dit-elle, et surtout d'un éventuel remboursement. Oui, c'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé va proposer dans un premier temps un accès restreint à ce test, en mesure de détecter cette maladie chronique et inflammatoire. Pour être plus précis, ça veut dire que si le gouvernement suit l'avis de la Haute Autorité de Santé, des femmes majeures dont une endométriose est fortement suspectée pourront faire gratuitement ce test. Ce qui permettra de recueillir les données complémentaires et de statuer ou non en faveur d'un remboursement pérenne. Un test qui pourrait faciliter le diagnostic donc de l'endométriose quand on sait que le délai moyen de diagnostic actuellement, il est de 7 ans. Oui, souvent synonyme d'errance médicale, l'endométriose concerne pourtant 2 millions de personnes en France. La chanteuse de soul Imani était parmi les premières en France à en parler. Elle était en 2022 sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. On l'écoute. De renvoyer une jeune fille à sa douleur en lui disant bah, « serre les dents parce qu'en fait, t'es une femme ». Et c'est comme ça, c'est extrêmement violent. En fait, le problème, c'est qu'on n'adresse pas. On n'adresse pas la raison du mal. On dit « t'as tes règles, c'est normal. T'as mal ». C'est normal. Donc en fait, on va pas traiter ta douleur. C'est à toi de gérer ça, toute seule. Serre les dents. Et toi, t'as 15 ans. Et en fait, il est là le problème, c'est que personne ne s'est posé la question de « ok, elles ont mal et pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Une absence de considération qui commence enfin à changer. Mais pour les associations françaises et les personnes atteintes, le prolongement des études par la Haute Autorité de Santé est difficile à supporter. Elles regrettent le temps pris pour mettre en place le test. Oui, sachant que l'endotest, mis au point par l'entreprise Ziwig à Lyon, est déjà commercialisé dans 17 pays d'Europe et du Moyen-Orient. Oui, c'est la Suisse qui a été le premier pays à l'autoriser. En juin 2022, il était accessible à la vente autour de 700 euros. Wow. Un prix considérable, d'où l'urgence de la question du remboursement. Si la Haute Autorité de Santé valide définitivement ce test et le rembourse, c'est donc deux enjeux de taille qui seront réglés, la durée du diagnostic et l'accessibilité financière. L'entreprise Ziwig a indiqué travailler sur une seconde version du test qui pourra détailler les caractéristiques de la maladie en fonction des patientes et ainsi pouvoir ajuster les traitements. Oui, Ziwig a également engagé un nouvel essai clinique sur la détection d'autres pathologies gynécologiques comme les kystes ovariens, les fibromes ou encore le cancer de l'utérus, en espérant que la salive renferme encore de belles avancées. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good.